Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts 358, 2 Days, et nous sommes le jour 322. Et la dernière fois, nous avons commencé à me fraver les pouvoirs de Roxas. Et du coup, on a eu une réunion avec tous les membres de l'Alliance 113, où Xenas, le chef, a fait sous-entendre qu'il ne devait en rester qu'un, soit moi, enfin soit Roxas, soit Xenon. Et que du coup, soit Xenon me fera tous mes pouvoirs et que du coup, me tue, et du coup, qui leur servira, quoi, qui leur sera utile. Soit c'est moi, soit c'est Roxas, du coup, qui va tuer Xenon et récupérer mes pouvoirs, mes powers. Parce que en fait, apparemment, il leur faudrait les pouvoirs de Sora pour leur objectif personnel, donc à savoir remplir Kingdom Hearts. Peut-être, en tout cas, ils ont besoin du pouvoir de Sora. Et du coup, ils vont prendre le pouvoir de Sora à travers Roxas ou à travers Xenon. On verra. Donc du coup, on continue l'histoire. On va parler à Saïx. Voici tes nouvelles missions. Pars dès que tout soit prêt. Récupère l'équerre, machin. C'est que des facultatifs. Donc, vu que c'est que des facultatifs, tu vois, regarde. 43, 45, 46. Il n'y a pas le 44. Bizarre. Ah, si, là. C'est celui-là, la principale. On va d'abord faire ça, chercher Xaline. Bon. Allez, go. Xaline a disparu dans le château de la bête, porté à sa recherche. À la présence de billes réfrigérantes et de cristaux de neige, utiliser des sorts de type brasier contre eux. Bon, Xaline, où es-tu? On va checker au pont, vu qu'il faut que c'est ouvert. Bah non, il est pas là. On va la checker vite fait ici. Disons quand on fera le tour. Après, moi je pense qu'il est plus dans les... Dans cette défaite. À mon avis, c'est ici là où il est, à mon avis. Ouais. Il n'est pas le même ce jour-ci. Je me demande ce qui s'est passé. Je dois demander aux autres ce qu'ils en pensent. La bête se comporte bizarrement. Pourquoi j'ai le sentiment que ça a quelque chose à voir avec Xaline? Et là, ça c'est très rigolo parce qu'en fait, tout ça, j'ai l'impression que tout ce qui se passe en ce moment-là, enfin là, c'est vraiment par rapport à Xaline, par rapport à d'autres membres de l'organisation. C'est un peu les prémices de ce qui va se passer dans le prochain opus. Enfin, de toute façon, tout ce qui se passe, c'est les prémices du prochain opus. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi quand on fera le prochain opus après. Attends, bon, on va juste. Nom de Dieu! Nom de Dieu!
Voilà, ça c'est fait. Maître n'est pas là dans son assiette. Je dis pourquoi lumière? Moi, je n'ai aucune idée. Maintenant que j'y pense, Madame Samovar a dit qu'elle avait aperçu un étranger dans le château. Un étranger? Oui, un homme aux cheveux aussi noirs que son manteau. Et tu crois qu'il a pu contrarier le maître? Personne ne serait assez fou pour prendre ce risque. Mais c'est une éventualité. Nous devrions partir à la recherche de cet individu. On dirait qu'il parle de Gladine. Il peut être toujours dans le château. Je dois continuer à chercher. Ah là, y'a rien. Ah bah tu. Mais il va me saouler! Et vous me saouler là! La grand-mère! Voilà. Mais là, il n'y a rien. Ah. Ah, c'est ouvert là. Mais attends, mais c'est immense. C'est immense. Bon, bah, déjà, il y a un boss acide. Ok, très bien. Donc là je vais mourir. Et après bah. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'attends que ça me guérit quand même un peu plus. Putain, mais le château il est immense, ça m'a plus. Les entrées sont fermées et tout pour que je puisse bien. Ouais, j'allais n'importe où quoi. Et là, tout est ouvert. Tout est ouvert. Ah non. Ok, au final, j'ai juste fait le tour. Il avait l'air de beaucoup s'intéresser à la bête. Et peut-être c'est ici?
Non, je peux pas le croire, il doit avoir menti. Bien, me trahir, il a dit qu'il me prendrait tout ce que je possède. C'est impossible, j'ai confiance en elle. Qui ça il est? Zaline? Vraiment que Zadine est entrée en contact avec lui. Il est peut-être encore dans le château. Ok. Rien à checker. Rien à checker. Je sais pas. Est-ce que dehors il y avait des trucs à faire? Tu sais que j'ai quand même vu dehors. Ah, il est là! Je l'avais pas vu. Jadine? Roxas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas rentré après la dernière mission? Alors je suis venu te chercher. Et on aura tout vu. Pourquoi tu mets autant de temps? Je m'occupe de quelques préparatifs. Des préparatifs de quoi? Ça ne sera plus très long. Les choses ici devraient prendre une tournure très intéressante. Est-ce pour cette raison qu'il est rentré en contact avec la bête? Bien que tu aies perdu ton temps et nous rentrons sur le champ. D'accord. Bon. Ah. Juste. Bon, je suis en ces putains de sang-cœur à la con là. Allez, ouvre. Orak. Alors. Trois, fuite. Et je vais récupérer les emblèmes en pays imaginaire maintenant. Donc, vérifiez, ouais, ça, on a l'habitude. Prouvez que vous connaissez finalement le terrain que pour choisir votre propre itinéraire. Ok. J'avais le timer. Ah. Mais j'ai un problème. Emblème. La vache. Le monstre il est venu à tout. Bah, le 5 il est venu à tout pour Zayn. Ouais, tu sais quoi, j'ai la flemme de chercher. D'ailleurs, ça me bat les couilles, je pense. Je vais récupérer, enfin, retrouver le.
Hop, on y va. Mais ça me saoule, c'est dommage, il n'en restait plus qu'un. Tant pis. Pour 124. Et là, il reste du coup combien de temps? Il reste. Ouais, je peux quand même continuer quand même. Tranquille. Donc, prochaine émission. Récupérer des cœurs au pays des merveilles. Enfin, cette fois-ci, vous devriez apporter des sessions de magie supplémentaires. Cette fois, vous devriez emporter des sortes de magie supplémentaires. Alors, c'est éther, ça. Non, en gros, il faut des éthers. Tu me diras, tu me diras, allez, on va tester comme ça. Avec les élixirs, tout ça. Ça peut le faire. Allez, ça peut le faire. Testons. Testons comme ça. C'est assez rigolo parce que du coup là dans ma mission facultative j'ai une cinématique donc avec Zadine et là ma mission principale là j'ai pas de cinématique. Bizarre. Voilà, en vrai je me casse ici. Hop, hop, je m'en bats les couilles. Je me casse, je veux plus faire ça. Ça me pète les reins. Hop, je me casse d'ici. Hop. Cool. Hop, rentre à la citadelle. Ouh, ça s'approche. 152. Coucher de soleil. Je vais tout anéantir. Il y a la chose à faire. Riku devrait le savoir. Sora's friend.
Sora? You know Sora? Yeah. Thank you. You saved me, but I don't know why you did. I guess I just felt like it. Riku, please. Tell me more about Sora and that girl he's always with. You mean Kairi? Kairi. That's right. She's the one who looks so much like me. To Sora, she's someone very special. It's just, I remember things about the two of them. But I'm nothing more than a puppet. Something that somebody created. So why would I have their memories? Do you know where Sora is now? That secret stays with me. Why's that? Shion. Your memories, they really belong to Sora. So you mean I'm like a part of him? When his memories were scattered, some of them found their way inside you. Now, Sora has been put to sleep so that we can piece together his memory. Except... You can't, because part of it is inside of me. That means he can't wake up. Yeah. You got it. But if you go with me to Sora right now, we could give the memories inside you back to him. So, do you hate me for taking your friend away from you? Nah. I guess I'm just sad. I'm sorry. But I can't go with you. It's my friends. They need me. And I need them, too. Maybe you should take some time and think about it. Figure out who really needs you more. And where you belong. How will I know where I belong? Truly. I'm not sure I can promise you I'll come up with the right answer. Well, the answer you come up with can't just be right for you. It has to be one that works best for everybody. You and your friends and everyone else. I'll try. Thank you, Riku. De profiter du temps qu'il m'a laissé. Bonjour, Rizion. Bonjour. Écoute, je... Désolé, mais je dois y aller. Roxas, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui? Je bouffe toutes les syllabes, c'est fou. comme d'habitude. J'ai une mission urgente rien que pour toi. Rien que pour t'accueillir des toits aujourd'hui. 5h et la période dans la ville d'Halloween. Je voudrais que tu le neutralises. D'accord, je m'en occupe. Voilà, voilà, ça, c'en est sûr. Je vois pas. Juste que dernièrement, tu. Ne devrais-tu pas déjà être parti en mission, Axel? Mais il faut que je me prépare. On se voit plus tard. Pourquoi ne laisses-tu pas les choses suivre leur cours?
Là, le 5 heures géant. Le 5 heures géant est un peu dans la ville d'Halloween. Trouvez-le et ne traduisez-le au plus vite. Je suis un très contrarié quand elle est partie ce matin. Je me demande ce qui lui arrive. Je devrais aller lui parler une fois que j'aurai fini ici. Alors. Ah. Pas facile à se diriger quand t'es en contrôle du vol parce que c'est vraiment très sensible. Mais regardez comme elle est mise quand même. Gassine son cœur ici. Je vais chercher plus loin. Il est où? Il est là. Attends. Il y a un sans-cœur ici. Je ne sens pas. Je ne sens la présence d'aucun sans-cœur ici, par ici. Mais où se cache cette chose? Ah, comment elle a pu m'approcher autant sans rien remarquer? Ok. Lui, à mon avis, au Brésil, ça ne doit pas fonctionner, moi, au Brésil, à mon avis. La vache, ça va super loin. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il est trop puissant. Je dois achever avant d'être à bout de force. J'étais en train de faire. C'est tout pour le tout. Arrêtez tous les deux. Zion? Mais ça, c'est... que fais-tu ici? Le seigneur que j'ai affronté, c'était toi? La maison était un piège. Quoi? Elle a été truquée de façon de ce que vous vous affrontez tous les deux. Vous affrontiez tous les deux. Excusez-moi, mais... pourquoi voudrait-il une chose pareille? Ça gèle le cerveau, hein. Ça fait longtemps qu'on n'était pas retrouvés comme ça tous les trois, mais pas vrai? Faut dire qu'on a eu pas mal de soucis. En fait, vous devriez regarder ce qui est décrit sur vos bâtonnets de glace. Ah non, pourquoi? Une fois que vous auriez fini de manger votre glace, regardez le bâtonnet. Ça peut être marqué Winner. Ah mais attends. Et oui. Et oui quoi? Non rien, qu'est-ce qu'on gagne? J'en sais rien. T'en sais rien? Ça serait quelque chose de sympa si on a gagné. Oui. Le soleil est magnifique. Il est pareil tout le temps. Je sais qu'on a vu plusieurs couchers de soleil ensemble, mais celui-là bat tous les records. Et c'est le même coucher de soleil que partout tout le temps. C'est... pendant un an, c'était le même coucher de soleil. Si seulement les choses pouvaient rester comme ça. C'est la cité du crépuscule, hein. Il fait le crépuscule tout le temps. Même quand il est midi. Et si on s'enfuyait? Qui ça? Nous. Nous trois. Comme ça on pourrait rester ensemble à tout jamais.
Il y en a nulle part où aller. Je sais bien, je réfléchis ça à haute, c'est tout. Mais si les choses changent à jour, on ne sera jamais séparés. Même si les choses changent à jour, on ne sera jamais séparés. Tant que tu te souviendras les uns des autres, nous ne fait pas Axel. On en a mis en une leçon. Je préfère vérifier. Je vous souviendrai de ce moment pendant longtemps. Pour toujours, j'espère. Moi aussi, pour toujours. It appears we've come to a standstill. Yes. This has gone on long enough, Riku. I think you know what needs to be done. Right. Oula. Décision. Tu t'en es encore mêlé? Pardon, t'as dit quelque chose? Nous n'avons pas besoin de hein? Nous n'avons pas besoin de deux, mais ça veut rien dire. De deux. Ah si, bah, enfin... Si, mais c'est juste que c'est... On n'a vraiment pas l'habitude de voir cette phrase, qu'en fait, si, ça veut dire... Nous n'avons pas besoin de deux, juste d'un. Tu auras beau te voiler la face, ça ne changera rien. Prends-y. Que souvent, quand on est face à cette situation-là, on est plutôt D2. D-E-S, espace 2, quoi. Tiens, il y a un drôle de trio. Xigbar, Raison et moi. T'as peur que je te ralentisse? Et non, t'es susceptible, dis donc. Tu sais ce qui se passe tous les jours qu'on commence avec le numéro 2 en personne? T'as pas vu, Xigbar? Oui. Et vous faites équipe tous les trois aujourd'hui? Je ne sais pas où ils sont les Oxas. Je ne peux pas changer avec Zigbar. Cet enfantillage, as-tu besoin d'Axel qui t'accompagne partout où tu vas? Non, je... Peu importe. Ils sont assez grands pour se charger de leur mission. Toi, occupe-toi de la tienne. T'es un petit connard, toi, en vrai. T'es un petit connard. Tu es tout seul pour la mission d'aujourd'hui. Bah, comme très souvent, d'ailleurs. Bah, c'est un cœur géant. What the fuck? What the fuck? Bah, c'est un cœur géant. Vous êtes sérieux, là? Plusieurs 5 géants sont apparus dans la cité parce que notre île au moins 6 d'entre eux. Tous quoi en fait. Tous. Cette phase. C'est sûr la présence de Vanati et d'Argile. Ils comptent parmi les 5 les plus puissants. Préservez-vous en conséquence. Préservez-vous en conséquence. Ouais, mais... Merci. Et vous m'envoyez seul là-bas. Elle veut vraiment me tuer. Hein. Et pour que... Et d'autres souvenirs du passé. Arrête, Guillaume. De tout visage, pourquoi est-ce le tien que je vois que je regarde? Ah ah! Eh oui! Regardez! Ventus! Eh oui, là il a la petite Ventus. Eh oui! C'est lui, Ventus. Oxas,
Antus. Arrête de me diviser comme ça. Là, dans Baba Sleep, c'est dans Baba Sleep, on croise Xeglibar. Enfin, avant qu'il soit assimilé. Dans son record. On le croise. Et on le. Non. On le coupe pas en tant que Terra, je crois, il me semble. Donc on le coupe en tant que Terra, il me semble. Ferme-la. Après, Ventus, il n'a pas la flamme royale, il a sa propre équipe, hein, normalement. Désolé, Axel. T'as pas la tête ou quoi? Ici, laisse ça partir, je te le fais au voleur. Regarde. Mais que... Vas-y Axel, tu dois veiller sur Axas. Mais comment vas-tu? Ici. Merci. Juste le 5 heures et moi aujourd'hui. Allez, il faut que je m'y mette. Le premier. Bien. Bien. Et voilà, ça c'est fait. Ouais, je sais pas, en fait, ça sert à rien, je vais mourir. Voilà. Et voilà! Ça, c'est fait! Non, ça y est. Hop! Hop, juste récupérer ça. C'est quoi là? Je ne sais plus. Ah, c'est là, c'est ça qu'il y a une barre.
Ouais, mais en nous, ouais, faut aller où déjà? Faut que j'aille. J'aimerais bien tomber sur le bon endroit. En disant que ce soit ici. Ouais, ça. Voilà, on casse. Oui. Je me demande si Xion et les autres sont déjà rentrés. Suis-toi, Axel. Ouais, je l'ai pas laissé partir, le vieux doit avoir la perlue. Et puis, de toute façon, elle aurait refusé. Ça, je m'accorde, je ne veux pas lui jeter la pierre, alors que moi-même, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Nous voulons commencer avec ceux qui ne savent rien. De quoi parlez-vous? Où est Xion? Elle s'est défilée. Le bouquin n'a pas réussi à la supprimer. Dis-moi qui est plaisante, Axel. Mais non, ton compète avec ses questions va prendre ses clics et ses claques. Je retourne dans ma chambre. Que s'est-il passé? Rien. Ils sont partis, alors comment ça, rien? Comme l'a dit Xibar, je n'ai pas pu l'empêcher de partir. Ne rencontre pas de salade, pourquoi? Zoé est comme le miroir qui te reflète. Quoi? C'est une marionnette qui a été créée pour reproduire tes pouvoirs. Ça veut bien être ou quoi? Je souhaite une passionne, pas une manette. C'est un miroir qui te reflète, Grossas. Je te reconnaissais, mais je ne reconnaissais plus le reflet. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais Xion est Xion. Elle ne peut pas être moi. Je ne sais pas ce que je veux dire, que ça. Oh, Roxas, putain, j'ai pas le dire. Tôt ou tard, quelqu'un aurait brisé le miroir. L'aurait détruit, tu veux dire? Réponds-moi! Je te la laisser faire, ou tu. Tu ne seras plus jamais toi-même. Je serai toujours le même, ton meilleur ami, comme Xion. Roxas, tu. Tu ne comprends pas toute l'étendue de cette histoire. Tu n'y comprends même rien. Ah, je laisse tomber. Roxas! Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Et cool! As-tu trouvé la bonne réponse? Oui. Je suis sur le point de perdre tout ce qui me tient à cœur et je ne veux pas que ça arrive. Dis-moi ce que je dois faire. Va dans la cité du crépuscule, puis ouvre une fille appelée Naminé. Naminé? À quoi ressemble-t-elle? Tu la découvriras par toi-même. Je crois que tu n'auras aucun mal à la trouver. D'accord, merci Riku. Au revoir. Ah bah j'ai gagné masse de d'XP. Quête vérité.
Ils ont de nouveau disparu. C'est ton volet. Elle. Ils ont une réplique. Une marionnette. Une marionnette. Quelqu'un l'a créée. En règle générale, les marionnettes ne se font pas toutes seules. Le programme de réplication a été l'un de nos projets. Le programme de quoi? Daignerez-vous nous éclairer sur ce projet dont vous parlez? L'objectif était de reproduire des souvenirs de celui qui manie la Keyblade et ses pouvoirs. Pour nous en parler. C'est Vexen qui supervisait le projet en mémoire d'Oblivion. Cependant, nos efforts ont été sévèrement compromis après sa défaite inattendue. Cette réplique, celle appelée Vision, elle s'est forgée à sa propre identité. Ceci nous a pris au dépourvu. Si c'était déjà passé cela au manoir d'Oblivion, personne n'en a jamais fait l'état. N'est-ce pas, Axel? Mais heureusement, la manette ne peut plus contrecarrer nos plans. Ni qu'elle tient ses propres ficelles. Elle connaît énormément nos secrets et nous devons donc lui tenir la bride. Je veux dire que... Axel. Elle s'enfuit sous ta surveillance. C'est à toi de la capturer et de la ramener ici. Peu importe si elle est endommagée, tant qu'elle est en vie, on a tête de marche. Pourquoi te l'as-tu la présence d'un déserteur sous ton toit? Elle devrait être éradiquée. Je ne qualifierais pas une marionnette cassée qui échappait à la vigilance de ces créatures de déserteurs. Axel, ce sont tes ordres. C'est tout pour le moment. À ramener, c'est de la folie pure. Non, je sais pas ce qui se passe, il y a que les trucs qui restent. Pendant tout ce temps, je parlais à une marionnette. C'est cool, il y a que les trucs qui restent. Et maintenant, on efface tout, c'est ça. Ah non, là, tout a disparu. Sinon, les traitations au sommet pouvaient atteindre le bas de l'échelle. Ah non, là, ça y est, les chutes qui ont resté. Axel. Ces arts sont indiscutables. T'es toujours ici, Osas? Pars pour ta mission. Deux fait partie des nôtres. Une marionnette fait partie des nôtres? Ne sois pas ridicule. Compte des sièges. Du coup, il n'y a plus que 13. Axel! Je crois que les gens n'est plus en sécurité ici maintenant. Tu ne vas pas faire ce que dit Xenas quand même. Il le faut, je ne serai plus en sécurité moi non plus. Est-ce que tu pourrais essayer de ne pas lui faire de mal cette fois?
C'est elle de décider. Oh, chasse. Les deux est dangereuse. Dangereuse comment? As-tu récupéré toutes tes forces? Pas encore. Depuis quand es-tu au courant de pour elle? Je sais depuis tout ce temps et tu ne m'as rien dit? Les tensions montent, on va dire. On va dire que les tensions montent. Attends, Du coup, je vais remettre cet épisode et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Kingdom Hearts 358 2 Days et la fin de manière certaine. C'est plus facile. Allez, bye bye tout le monde.